Nous sommes de retour à l'émission La Brigade Barbue. Entrevue Barbue cette semaine. Eh bien, mes yeux, non, je dirais plutôt tous mes sens sont mis en éveil devant ce petit bijou de documentaire intitulé Témis, territoire imaginaire. Alors, c'est par couches successives de couleurs, d'images, de textures, de paysages qu'il nous présente ce petit documentaire-là. Et d'entrée de jeu, j'avais envie de vous demander, pourquoi avoir choisi le Témis comme lieu de vie? Mais d'abord, avant d'en faire un lieu de vie, c'est un lieu de passage. L'ensemble du document veut parler de l'expérience que j'ai eue, moi, depuis 25 ans ici au Témiscouata. Et effectivement, la première chose, moi, qui m'a frappé ici, c'est que le Témis appartient pas au Bas-Saint-Laurent, fait pas partie du Bas-Saint-Laurent. C'est que les eaux du Témis coulent toutes vers le sud, c'est-à-dire vers la baie de Fundy. C'est la seule partie du Québec où les eaux s'évacuent vers la baie de Fundy. Donc, c'était une particularité, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, on passe par ici depuis des millénaires. Alors, on a passé du temps des Amérindiens. Les Français ont fait un premier sentier. Après ça, les Anglais ont agrandi le chemin. C'est devenu une route. Et après ça, bientôt, on va avoir une autoroute. L'autoroute à quatre voies, ben oui, ça sera Exact. encore une fois un lieu de passage. Il n'y a pas seulement que le passage, il y a aussi le paysage qui a peut-être attiré l'œil de l'artiste. Oui, ben encore une fois, la région, c'est particulier parce qu'on habite les monts Notre-Dame. Donc, on est dans les hauteurs, on est dans les montagnes, on est dans une mer de forêt. Donc, il y a du bois partout. Pour aller d'un village à l'autre, on traverse toujours un bout de forêt. Cette présence-là, c'est la présence de la nature aussi, les animaux, la flore, les arbres, le son aussi de l'endroit. Donc, tous ces éléments-là de la nature ont contribué à influencer mon travail artistique.
On trouve des traces du passé historique, des traces concrètes comme le Fort Ingall, le poste de d'Igely, il reste des vestiges, il y en a aussi du côté d'Edmundston. La présence de la forêt ici faisait l'envie de plusieurs commerçants et on ne savait pas trop comment pouvoir régler ce problème-là. Donc, il y a eu des escarmouches à un certain moment donné, mais il reste que ce territoire-là, c'est un territoire qui était à l'origine essentiellement francophone, qui, avec le temps, s'est vu divisé en trois parties. Et c'est pour ça, je reprends l'idée que vous aviez au début en disant le Témiscouata, c'est une partie du Grand Madawaska, d'une certaine façon, ou de la République du Madawaska.